numéro 4. Départ de la deuxième épreuve, Why Wouldn't You? Bien parti, King's Empire, sollicité par Nishal Tia, se porte à l'avant. À l'extérieur, il y a également Captain Moss et Secret Idea. Captain Moss va essayer de taquiner King's Empire en troisième position, Secret Idea. En dehors, il y a Barking Irons, Middle Path, Why Wouldn't You? Dealer's Charm, finalement, Var Express et Mr. Mogambo, les deux nouveaux. King's Empire garde la corde face à Captain Moss. En troisième position, toujours Secret Idea, Why Wouldn't You? Barking Irons, Middle Path, un peu plus loin, Dealer's Charm, Var Express et finalement, on retrouve en queue de peloton Mr. Mogambo avec l'avantage pour King's Empire toujours, mais Captain Moss suit très bien dans la foulée de King's Empire. Why Wouldn't You également là. Ensuite, Middle Path en dehors, Secret Idea, Barking Irons, Dealer's Charm, Var Express et Mr. Mogambo. King's Empire pour l'instant assure très bien, mais Secret Idea force l'allure maintenant à son extérieur. Captain Moss, Middle Path toujours à l'extérieur de Why Wouldn't You, très très bien placé dans cette course. Derrière, il y a Barking Irons, Dealer's Charm, Mr. Mogambo et Var Express. Middle Path contourne maintenant tout le peloton. King's Empire va lancer le sprint final. Secret Idea également là. Why Wouldn't You s'amène à l'intérieur. Why Wouldn't You, King's Empire, Secret Idea, Middle Path. Middle Path en pleine piste, lancé par Derek David à l'intérieur. Why Wouldn't You, complètement à l'extérieur, Dealer's Charm. À l'intérieur, Why Wouldn't You s'impose devant Dealer's Charm. Ensuite, on retrouve Middle Path, Var Express probablement pour aller chercher une quatrième place ici. Mais Why Wouldn't You, irrésistible, intraitable dans cette deuxième épreuve à l'issue d'une accélération foudroyante à l'intérieur, bien lancée par Swapnil Rama. Oui, quand il s'est assis en quatrième position, c'était joué. Ah bah oui, on le disait, il était très bien placé. Très bien présenté, Why Wouldn't You, et qui s'impose logiquement ici dans cette deuxième course, Swapnil Rama attendu tranquillement sur les barres, le boulevard qui se présente devant lui en ligne droite. Et regardez là, il va s'imposer plutôt à l'aise à l'extérieur. Var Express complètement en dehors va faire une bonne course. Bonne performance aussi de Dealer's Charm avec Alvinio Roy qui monte maintenant chez les grands. Alvinio Roy et Why Wouldn't You, le salut de Swapnil Rama pour l'écurie Ricky Mingard. Le cheval numéro 6, il y aura déduction.